dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Asia. J'entends Asia à côté, mais ce n'est pas Asia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Asia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Asia aurait volé pour 30 000 euros d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Il me dit, tiens, je la passe. Asia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Asia, c'est quoi ces histoires? Asia me dit, oui, j'ai volé. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape. Avec toutes les preuves. J'ai des preuves. J'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent. Je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce avec eux. Ils veulent me tuer si je paye pas. Je suis en sang. Attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 euros de le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Asia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Asia, parce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Asia, elle a sorti un son dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. Et j'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Asia, enfin du son d'Asia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 euros. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Asia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Asia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Asia, vu qu'il soit à côté. Il me passe Asia, je dis Asia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? J'ai dit, pardon, mais t'as volé. Je viens de découvrir le meilleur... C'est normal que tu vas payer, si c'est vraiment un vol. Pour qu'ils te libèrent, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché, bref. Déjà là, anomalie, le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, tu ouais, on va descendre, ouais. Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et n'ont même pas de réseaux sociaux. Dans mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Asia, et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi, je ne dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand je suis au téléphone avec eux, Asia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein, parce qu'il ne faisait que se passer le téléphone, Asia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Asia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi. Preuve, j'ai des preuves. Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit, mais non, ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de source sûre, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris le soin d'elle et qui ont, je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit, Asia, écoute, essaye de trouver une copine le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre. Hein. Mais là, regardez, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention. De menacer, regardez, ma femme, mon fils.
Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand MJ, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi, je dis oui, c'est ce qu'MJ, Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? La story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle, même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat, quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, tu te précipites et j'ai été con. Mais me dites pas s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia a été complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais Diana, ce qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce. Me dites pas que Asia, oh voilà, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia, elle est complice de ça. Que Asia, qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête, s'il te plaît. Qui a vu mon fils de ses propres yeux, est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, inventer toute une histoire pour de l'argent. Non, c'est pourquoi? Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, une ou deux, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi? Pour de l'argent ?